Eh bien, voilà, merci beaucoup, aimables téléspectateurs. Je suis très heureux de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission Grande Analyse sur FM Télévision. Cette émission qui vient chaque fois avec de nouveaux sujets politiques de tous les domaines de la République démocratique du Congo auxquels nous essayons de décrypter. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour, de nouveaux sujets sur la table, c'est vrai. Que nous continuons à parler de la marche de l'opposition avortée. Une grande question se pose dans le commun des mortels où une certaine opinion pense que se pose la question de savoir quelle opposition pour la République démocratique du Congo. Batumsu Balobi, Etienne Tshisekedi, Akenda na opposition en Nkunda. Parce que, à l'époque d'Etienne Tshisekedi ou de l'UDPS, même si le gouvernement n'accorde pas la marche, surtout que nous sommes dans un régime d'information, mais l'IDPS marchait pour faire voir tout ce qu'il avait besoin à côté de la population, tout ce qui ne marchait pas du moins, parce qu'on sous-entend que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sentons une opposition, je ne dirais pas faible, mais est-ce une opposition obéissante? Ce sont des questions que nous allons poser à notre invité. Et en dehors de ça, nous allons aussi parler de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Je ne veux plus parler de la sécurité seulement à l'Est, parce que ici, à Kwamutu, à Menkaou, non loin de Kinshasa, il y a des tueries qui se font nuit et jour, et tout cela touche la sécurité de la République démocratique du Congo. N'oublions pas tout ce que nous vivons dans nos provinces respectives, les Kuluna, cette insécurité qui devient grandissante, c'est aussi parmi les sujets que nous allons aborder dans cette émission. Sur ce plateau, monsieur le docteur John Kankonda, avec lui, nous allons essayer de décortiquer tous ces sujets. Mais avant tout, je pense que cette histoire du maïs, cette rareté, cette denrée très riche, parce que c'est un aliment de base pour les Congolais, mais qui devient un peu rare, et ça fait couler encre et salive. Le docteur John d'Entrée DG, bonjour. Bonjour Alain Goma, merci de nous avoir reçus. Docteur Kankonda, le pari cocher du chef de l'État, l'un des membres de l'UCOR, okay. Union de communicateurs de la République et de l'Union sacrée. Et je crois que les sujets que vous abordez, ce sont des sujets importants. Mais d'entrée de jeu, vous avez souligné le problème de maïs, cette denrée qui devient un peu rare. Oui, mais écoutez, le maïs, ce n'est pas mangé, ce n'est pas une denrée qui est mangée spécialement à tous les Congolais. Non, nous savons qu'il y a une classe, une certaine catégorie de personnes qui mangent le maïs, qui sont habituées à manger le maïs. Nous avons parlé ici des Kassaïens, parce que les autres mangent bien la farine de manioc, et ainsi de suite. Et voilà, il faut savoir d'abord que nous avons une sorte d'inflation, qui est une inflation mondiale. L'inflation, ça n'a pas commencé aujourd'hui. L'inflation, ça a commencé, c'est une crise économique majeure qui a commencé, qui tire son origine en Europe de l'Est, avec la guerre, l'agression de la Russie en Ukraine. Et je rappelle toujours que l'Ukraine, jusque-là, n'a pas encore acquis son indépendance. Mais ces petits pays qui étaient dans les temps, dans les Balkans, c'était des pays de l'URSS avant le démembrement. Il y a eu la Pologne, il y a eu la Roumanie, il y a eu la Yougoslavie. Tous ces pays-là, ça faisait partie de l'URSS. Après le démembrement, voilà, ils ont occupé leur fonds. Mais les Européens ont dû profiter pour essayer de mettre leur base là-bas. Je sais que ce n'est pas notre sujet du jour. Effectivement. Mais je vous dis qu'il y a une forte crise de céréales en Europe. Et laquelle a fait assez que même le carburant est devenu trop cher en Europe. Même la crise de gaz. Même l'électricité, c'est devenu trop cher là-bas. Depuis la nuit des temps, on n'a jamais vu une crise comme ça. Alors cette crise a impacté aussi l'Afrique. Il n'y a pas que la crise de la guerre. Il y a aussi la crise de la Covid. Vous avez vu la Covid comment ça a... En 2020, effectivement, ça continue parce qu'il n'y a pas très longtemps, vous avez suivi la Chine qui voulait encore reconfiner sa population. Vous devez savoir que la Chine, c'est l'un des pays qui produit aussi beaucoup de denrées alimentaires, tout comme autre chose. Donc, c'est une crise qui est mondiale. Nous déplorons aujourd'hui la crise de la pénurie de maïs.
Bien sûr, mais à Brazzaville, ils ont la crise de pénurie de carburant. Est-ce Maroc, que tout cela, c'est une excuse? Ce n'est pas une excuse. J'essaie seulement de faire une observation okay. pour que les gens comprennent. J'ai dit qu'heureusement, nous n'avons pas la crise de carburant. Mmh. Parce que si nous avions la crise de carburant, je pense que les gens allaient crier partout de l'incompétence et ainsi de suite. Alors ils ne comprennent pas que l'incompétence, c'est peut-être dans un domaine, pas soit pas dans un autre domaine. Quand on dit que vous êtes incompétent, peut-être dans le domaine de géographie, mais cela ne veut pas dire que à la mathématiques, maison, vous êtes faible. Oui, en mathématiques, vous êtes faible, vous êtes peut-être le plus excellent. Alors, les gens ne comprennent pas, ils font des amalgames de raccordements frauduleux. Alors, pour ce qui concerne la crise de maïs, vous devez savoir que c'est juste pour un moment. Je suis content d'ailleurs que ce soit le maïs, pour que ce ne soit pas la farine de manioc, pour que ce ne soit pas les patates douces ou bien autres denrées alimentaires. Parce que nous avons ici, il y en a qui mangent du riz. Oui, il y en a qui mangent du riz. Qui sont spécialistes en mangeant du riz, qui est aussi une denrée très importante dans la consommation. Alors, imaginez que nous avions la crise de maïs, comme nous l'avons, la crise qui est en train d'ailleurs d'être résolue, la crise de quoi, de farine de blé, la crise. Alors, je pense que les gens allaient crier de partout. Ça, c'est quelque chose de très important. Vous devez savoir que la RDC, depuis l'avènement de Félix Antoine Tshilombo, qui a déclaré que nous devons prendre l'avance, la sentence sur les minerais dans l'agriculture. Notre agriculture doit être vraiment... Il a parlé de la vengeance du sol sur, Sur le sous-sol. C'est lui qui a dit ça. Il n'y a pas une autre personne, il n'y a pas un autre visionnaire, un autre politicien qui a dû réfléchir de cette façon-là. Mais il fallait un temps. Aujourd'hui, nous avons reçu plus de 5000 tracteurs qui doivent être répartis dans 145 territoires. Ils sont déjà là. Je dis que les tracteurs sont déjà là. Alors, ça nous a fallu un peu parce qu'il y a eu la crise. Vous devez savoir que la Zambie nous a toujours fourni. Nous, quand on grandissait, parce que avant de faire la médecine, je fais l'agronomie générale. Ok. On a fait des expériences, des stages dans les Kanyama. Et les Kanyama Kassel, c'est parce qu'il y a deux Kanyama. C'est là qu'était le poumon même de l'exploitation, bien de la production de maïs. N'oublie pas que nous avons aussi Ngandajika. Okay. Ngandajika, c'est dans les Kassai. Ngandajika est né avant le Kassai oriental. Les Belges avaient d'abord utilisé Ngandajika par rapport à la température, au sol qui est trop riche. Quand vous y allez, vous verrez qu'il y a beaucoup de maïs qui se font là-bas. Mais à un certain moment, avec l'avènement de la Kabylie, ils avaient vendu tous ces terrains-là. Là, il faut saluer notre frère, bon, ce n'est même pas notre frère, je peux dire, c'est celui qui était venu avec la Kabylie, qui avait vendu même les terrains de jeu où les enfants pouvaient aller même jouer dans chaque quartier. Je ne veux pas citer son nom, mais vous devez le comprendre. Mais non, ce qui arrive maintenant avec la crise de maïs, la Zambie n'est livre pas le maïs, ne vend pas à l'extérieur. Oui. Tout comme l'Afrique du Sud. Mais nous, à notre temps, tout ça. Mais il y a une délégation du gouvernement qui est allée en Afrique du Sud et en Zambie. C'était pour voir d'abord qu'est-ce qui s'est passé. Okay. Là, on a compris qu'il y a un Zambien qui veut devenir président dans notre pays. J'ai dit qu'il est Zambien parce que c'est lui-même qui l'a dit. Il y a des vidéos qui sont devenues virales où il dit que moi, je suis un citoyen zambien. Qui est allé négocier là-bas pour qu'on ne puisse pas produire le maïs en République démocratique. Effectivement. Mais ça, c'est un crime contre l'humanité. La même personne a plus de 5000 tracts. Ce sont des gros camions qui font des va-et-vient, qui vont avec les minéraux, qui vont avec le maïs, qui transportent beaucoup de choses. Mais dans tous ces transporteurs, les chauffeurs, il n'y a aucun Congolais parce que lui-même avait dit que les Congolais ne sont pas sérieux. Alors, il a dit pris tous ces tracts-là, avec l'argent qu'il avait volé dans les temps de Kabila, il a mis ces tracts-là dans les dépôts, mais ça ne s'est pas transporté tous ces denrées alimentaires-là. Il fallait que l'équipe qui est partie sur place, voir les autorités zambiennes, qui eux-mêmes étaient surpris d'apprendre que maintenant, nous, on ne savait pas qu'on ne produisait pas là-bas. Comment ça? C'est vrai que nous avions pris un moratoire, parce que nous n'en avons pas beaucoup, mais il y a quand même une proportion de marchandises qui doit venir vers chez vous. Mais comment ce n'est pas? Ils étaient surpris. Voilà le genre de personnes qui veulent diriger la RDC.
Mais je pense que la crise est en train d'être jugulée. Parce que là, vous avez vu la forme des Camerets qui a produit plus de 50 000 sacs sont plantés, qui étaient plantés ici dans les banlieues de Kinshasa. Il y a le Kanyamakase qui produit le maïs. Il y a le même Kanyamakase avec le général Kabouik qui sont allés au Kasaï. Il y a aussi le projet Nkwadi qui produit aussi le maïs. Donc, il y a aussi dans les Bas-Congo, il y a des terrains expérimentaux. Alors, je pense que la crise de maïs, d'ici un mois, on ne parlera plus de ça. Voilà. Merci beaucoup. Ce n'était pas notre sujet du jour, mais il fallait qu'on puisse en parler parce que ça fait quand même partie de l'actualité en République démocratique du Congo, surtout avec le briefing du gouvernement hier. Les langues se sont déliées, mais bon. Moutounio Saroma, Kopé Satoli. Nani Ope Satoli à Malamou, Nani Ope Satoli à Mabé. Parce que tout le monde s'est fait donner des leçons. Mais le plus important, c'est de savoir que nous devons chercher à faire avancer ces pays au lieu de critiquer les personnes qui cherchent des solutions pour la République démocratique du Congo. Voilà, nous allons prendre notre premier sujet. Quelle opposition pour la République démocratique du Congo ? C'est vrai que c'est un opposant qui est au pouvoir aujourd'hui qui fait la majorité ou qui incarne les régimes aujourd'hui. Mais de l'autre part, il y a ses amis avec qui il a combattu à l'opposition, qui sont restés à l'opposition, et certains se sont joints à lui ou à eux. Il devait y avoir marche le samedi 13. L'hôtel de ville a refusé, disant qu'il y avait un problème de sécurité dans la ville. Ils se sont réunis, l'hôtel de ville a demandé à ce qu'ils puissent marcher le 18 et ils ont renvoyé la marche pour le samedi 20. Ma question est la suivante. Du fait que ces opposants ont accepté déjà de changer la date, est-ce une faiblesse de l'opposition ou c'est une opposition qui devient obéissante parce qu'il y a un opposant à la tête du pouvoir? Non, il fut opposant et merci pour la question, c'est une très belle question. Et il fut opposant, il n'est plus opposant. Il est devenu décideur, il est devenu chef de l'État. Il fut collègue quand nous fûmes dans l'opposition. Nous, on a fait plus de 39 ans de l'opposition. Nous en connaissons les méandres. Ceux qui sont arrivés n'ont jamais été dans l'opposition. Il y a peut-être un qui peut être esquivé, ou bien excusé, mais les autres n'ont jamais été dans l'opposition. Les autres, c'était des juceurs. Les autres, c'était ceux qui ont aidé la dictature à s'implanter dans ces pays. Parmi eux, il y a l'autre qui était même un rebelle. Un rebelle, ce n'est pas l'opposition, c'est la rébellion. Un rebelle est préparé pour tuer. Et si vous parlez de tous, ils étaient avec Félix dans l'opposition. Non, non, ils n'étaient pas dans l'opposition. Ils nous ont rejoints. C'est comme un train qui quitte ici vers, par exemple, la gare centrale. Il y en a qui vont entrer au bon marché. Il y en a qui vont descendre là. Oui. Il y en a qui vont continuer. Il y en a qui vont arriver avec le train jusqu'à la gare centrale. Le problème de la marche, nous sommes dans le régime d'information. Oui. Dans ce régime, on demande à ce que le demandeur, la personne qui veut manifester, doit informer 5 jours avant. Il doit saisir l'autorité municipale. Oui. Si l'autorité n'est pas là, si l'autorité n'est pas là, ils doivent saisir l'un de ces cabinets. Oui. 3 jours avant et les 5e jour, ils seront répondus. Ils l'ont fait. Ils ont convoqué l'autorité principale, municipale, Jean-Tini Gobila, Mbaka, a convoqué les gens qui veulent faire la marche. Ils ont parlé. Il les a dit que sur le plan de la sécurité, ça ne valait pas la peine de faire la marche maintenant. Le samedi 13, je voudrais que vous le fassiez 5 jours après, c'est-à-dire le 18. Ils étaient d'accord. Quand on vous appelle comme ça, ça c'est les techniques de nous qui avons l'information, qui savaient comment faire la manifestation. Pour la toute première fois, nous avons dans ces pays la prophétie de Papa Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, qui s'accomplit. Qui disait qu'il dépasse son pouvoir, il n'y aura pas l'opposition dans ces pays. Effectivement, vous voyez qu'il n'y a pas l'opposition. Ce sont des aventuriers qui viennent. Ils ne font pas l'opposition, c'est l'opposition. Non, ce sont des aventuriers. Excusez-moi, ce sont des aventuriers.
D'abord, quand vous rencontrez l'autorité, oui. la première des choses, vous devez déterminer l'itinéraire. Ils doivent vous orienter. On doit savoir vous quitter d'où, de point A, point de chute, point B. Si les gens doivent venir de gauche à droite, comment les orienter pour un point A? Alors vous devez converger à partir de là et puis marcher ensemble. Quand vous arrivez, vous devez commencer à telle heure et jusqu'à telle heure. Parce que vous ne devez pas empêcher d'autres personnes qui ont le droit de marcher, de vaguer librement leurs occupations parce que vous faites la manifestation. C'est juste une catégorie de personnes, on peut dire non négligeables, qui doivent manifester. Imagine, on leur dit, vous quittez le changeur délimité, point de rencontre peut-être 7 heures. Ouais. Vous quittez à 8 heures pour chuter, par exemple, au niveau de gare centrale, ou soit au niveau du palais du peuple, à 15 heures. On évalue la route et on essaie de sécuriser. Dans chaque organisation qui organise la marche, ils doivent d'abord avoir leur sécurité interne. Quand vous avez votre sécurité, cela veut dire, parce que ce n'est pas tout le monde qui va manifester dans l'idée, dans la vision de ceux qui ont provoqué la marche. Peut-être, vous connaissez tout le monde, vous connaissez les gens, là ils viennent de Tchango, les autres viennent peut-être de Bas-Congo, Congo central, les autres viennent de Kimantsek, et ainsi de suite. Mais dans toutes ces structures-là, il doit y avoir 2-3 personnes qui connaissent les membres de ça. Ça, c'est la moindre des choses. Mais quand ils doivent venir, la sécurité interne doit être là, parce que nous les avons fait, que ce soit ici, que ce soit en Europe. Ça, c'est sur le plan de principe. Ouais. Alors, vous devez savoir que quand quelqu'un doit aller attaquer un véhicule qui passe, parce qu'il a aussi la liberté de marcher, de circuler. Oui. C'est pourquoi on oriente, on canalise cette marche-là. Mais quand vous refusez de parler avec l'autorité, ou bien l'autorité vous dit non, ce jour-là, je n'aurai pas peut-être l'effectif suffisant de la police pour, qui doit être accrédité pour maintenir le bon fonctionnement, la bonne marche de votre manifestation. Mais non, vous refusez. Mais vous dites que ce n'est pas interdit parce que nous sommes au régime de formation. Mais parce que vous venez le voir, vous n'allez pas l'imposer quoi que ce soit. Alors, on les a dit de venir le jeudi 12. Ils ont fait beaucoup de problèmes, mais ils ont parlé. Voilà, on n'a pas refusé, on a juste dit. On peut aussi délocaliser la marche. Vous pouvez dire, bon, voilà, nous quittons l'échangeur délimité. Pour, on peut dire, non, vous ne commencez pas là-bas. Vous pouvez peut-être commencer de Bandal, n'est-ce pas, oui. pour votre point de chute qu'ils vont vous orienter. Oui. L'objectif, c'est vous devez manifester. Alors, si vous voulez commencer par Tchang, on vous dit que non, Tchang, ce n'est pas possible. Commencez, par exemple, à partir de Kimantseke. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de manifester. Oui. Et le mot l'endroit où vous devez chuter et le mémorandum que vous devez amener. Qui va lire le mémorandum? Quelles sont les autorités? Et là, maintenant, ce n'est pas le régime de formation. Les autorités que vous devez amener votre mémorandum, ils doivent être là pour recevoir votre mémorandum. À supposer que vous voulez arriver jusqu'au palais du peuple. Oui. C'est-à-dire que c'est M. Mbosso qui doit être là. Quoi dire? À supposer que ce jour-là, il n'est pas là. Peut-être c'est le cabinet. Il ne faut pas dire que Mbosso vous a fui ou bien vous a saboté. Ça, ce sont des trucs pratiques qu'il doit faire. Jean-Tony Ngobilamba n'a pas refusé. Oui. Il les a dit de prolonger de 5 jours parce que c'était le moment où on pouvait avoir l'effectif orienté. Ils ont refusé. Ils ont commencé. Comme c'est l'opposition la plus faible qui existe, donc vous ils sont passés à la télé, parce que l'opposition est toujours à la télévision. Nous, dans notre temps, on organisait des manifestations sans Internet, sans Facebook, sans WhatsApp. Il n'y avait même pas la télé. Le centre délimité pouvait crier le vendredi, c'est journée ville morte. Et le vendredi, c'est ville morte à l'étendue de la République. Nous devons manifester, par exemple, le jeudi. C'est toute la République qui manifeste partout dans les 26 provinces. Avant, c'était les 11 provinces. Et on paralysait l'État. Comme vous reconnaissez que c'est la faiblesse de l'opposition, est-ce un avantage pour les régimes? Parce que, à ce que je sache, l'opposition aussi joue un contrepoids au régime. Mais quand vous reconnaissez déjà que cette opposition est faible, est-ce un avantage pour vous? Nous sommes dans un monde politique. Nous aurions voulu avoir une opposition en face de nous. C'est pour que quelque chose qui ne marche pas, et puis ils doivent nous orienter.
Et la vraie opposition, c'est critiquer et puis proposer. Nous avons l'opposition, parce que ça, c'est la question la plus importante. Nous avons l'opposition, comme je l'ai dit, je ne vais plus me répéter, la plus faible. L'opposition réclame quoi? C'est ça la première des choses. Ils sont en train de parler de la vie chère des Congolais. Très bien. Les élections dans le délai. Mmh. Ils veulent une CENI consensuelle. Il y a quoi? Je crois qu'il y a cinq. Les deux là viendront. Sécurité. Sécurité, voilà. Ils ont parlé aussi de la sécurité. Uh-huh. Mais cette vie chère là des Congolais, vous ne pensez pas que c'est vrai? Surtout avec ce que nous venons de dire, avec l'histoire de maïs. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est parmi des revendications qui sont aussi fondées? Moi, je ne commence pas par là. Quand vous critiquez, donnez des pistes de solutions. C'est ça être un vrai homme patriotique, pragmatique, qui doit dire quelque chose. Je commence d'abord avec leurs recommandations. Ces gens ne sont pas sérieux. Déjà, qui demande la permission pour aller faire la manifestation? J'ai posé la question à un certain soi-disant honorable député. Je ne sais même pas dans quelle constitution c'est écrit. Ils doivent être appelés les honorables députés. Excuse-moi, il y en a le vrai, il y en a aussi le faux. Ils sont quatre membres de l'opposition. Oui. Mais ils se retrouvent autour de quoi? Si c'est Salamuka, j'aurais compris. Si c'est SID de Matra Fayoulou, j'aurais compris. Si c'est Ensemble de Mukatumbi, j'aurais compris. Si c'est Nouvel Élan de Mouzito, j'aurais compris. Mais ces gens se rassemblent, quatre personnes qui veulent manifester, qui ne proposent rien. Ces gens réclament ce qui existe. Ces gens réclament ce que Félix a déjà fait. Ils veulent la sécurité. Effectivement, le chef de l'État a déjà, et puis s'est déclaré lui-même comme un agneau qui doit être immolé pour la sécurité de son pays. Il a dit ceci: je me sentirai président de la République quand la guerre à l'Est de la République terminera, n'est-ce pas? Oui. Il a dit qu'il ne peut pas accepter que même un centimètre de notre territoire puisse être dispersé bien répété par le Rwanda. Ça, c'est une déclaration de guerre. Il s'est dit, lui, c'est la sécurité de son peuple et de son pays. Regarde-moi Namboka. Et ils sont en train de réclamer ça. Mais la sécurité, c'est le domaine de l'État. Aujourd'hui, on vient d'arrêter d'appréhender les gens dans ce qu'on appelle le Mobondo, oui, qui sont instrumentalisés, et les enquêtes sont là, on les a arrêtés, ils ont donné le nom de ceux qu'ils ont... Ça viendra même dans notre deuxième sujet. On va parler de ça, qui réclament la sécurité. Oui. Nous trouvons ici le mouvement Kuluna. Oui. Avec Kanyama, on tuait ces gens-là, comme des bêtes pestiférées. Félix arrive, il dit non, on ne peut pas les tuer. Il faut que ces gens soient des bâtisseurs. Ce sont eux qui produisent le masango, le maïs. À Kanyamaka, c'est un peu partout. Il y en a qui sont devenus des ébénistes, des charpentiers, des mécaniciens, ainsi de suite. Il faut parler de la sécurité. Et ils ne peuvent pas parler de la sécurité parce que le chef de l'État, avec toutes les fonctions qu'il a occupées jusqu'à aujourd'hui, il est en train de se battre pour que la sécurité puisse être dans notre République. Allons sur le domaine... électoral. Il réclame ce qui est déjà fait. Parce que nous sommes dans le processus de l'élection. Oui. On avait demandé à ce que l'opposition puisse être représentative, puisse être représentée à la CENI. Nous avons le docteur Manara, qui est de l'opposition. Ils ont dit que c'est un débauchage. Non, l'IDPS ou bien le tshisekedisme, ces mots-là n'existent pas dans notre vocabulaire. Didier Manara, oui, il avait occupé les fonctions de rapporteur représentant de caucus de l'opposition, oui, du PPRD à l'Assemblée nationale. Effectivement. Quand il décide de venir, comment vous pouvez dire que c'est un débauchage? Comment? Dis-moi un peu. Parce qu'il était dans ses fonctions, ce n'est pas qu'il est parti puis il est revenu. Il est toujours dans ses fonctions, il s'est dit non, ces gens sont en train de nous amener dans l'erreur. Même les CID, il a des représentations de représentants à la CENI. Pour votre information, je vais vous les citer le nom. Non, oui, allez-y. Ne soyez pas les porte-parole de ceux qui n'existent pas. Je ne suis mon pas, cher frère Alain. Je ne suis pas porte-parole de ceux qui n'existent pas. Nous analysons. Moi, je vous pose des questions. Vous me répondez. J'aime bien. Oui. Mais ce que je vous dis, ce sont des informations. Peut-être que vous ne l'avez pas.
Il y a les membres de les CID à la CENI. Il y a les membres de la Kabylie, de l'opposition à la CENI. Alors, ils réclament quoi? Le calendrier est en train d'être fait. Là, ils réclament encore le quoi, qu'on change la Cour constitutionnelle. Ils veulent, ils réclament que on change, la CENI doit être consensuelle. Consensuelle, cela veut dire quoi? Didier Manare est là. Nous avons les membres des CID et d'autres membres qui ne veulent pas qu'on cite leur nom. Le temps viendra où on va citer les noms de tout le monde qui sont là-bas, qui représentent leurs entités. Donc ils réclament ce qui existe. Parce qu'il n'y a pas le retard dans les chefs de la CENI. Il y a des communiqués que vous voyez tout le temps. Oui. D'ici, avant la fin du mois de mai, on va recevoir les candidatures. Et puis d'ici mois de juin. Donc nous sommes dans les programmes. Ils ne vont pas vous dire que la CENI n'a pas été renflouée, on n'a pas donné l'argent suffisant à la CENI. Les autorités de la CENI n'ont pas dit ça, Kadima n'a pas dit ça. Nous allons aux élections, le 24 décembre, nous allons aux élections. Il ne faut pas fuir les élections. Donc, il ne faut pas nous intimider. Tout ce que l'opposition est en train de faire, nous pouvons juger ça comme une fuite en avant. Mais c'est une fuite en avant parce qu'ils veulent que nous allions aux élections. Les élections, nous irons aux élections. Qu'ils ne parlent pas que, voilà, ils demandent que élections. Ça soit dans les délais. Mais non, les délais, c'est quand? C'est pas le 24 décembre. Oui, c'est le mois de décembre. Alors, est-ce que quelqu'un a dit que nous n'irons pas aux élections? Est-ce que quand les gens les demandent que nous devons aller aux élections, est-ce que la République, est-ce que le chef de l'État, le gouvernement a refusé qu'on n'aille pas aux élections? Est-ce qu'ils doivent déposer? Parce qu'il y en a qui ne se sont pas enrôlés. Comme oui. La Kabylie ne se sont pas enrôlés. Oui, même les mêmes personnes là, ils vont aussi manifester pour qu'on aille aux élections au temps réel. N'est-ce pas? Mais comment eux vont réclamer aussi longtemps que nous ne serons pas avec eux? Excuse-moi. Voilà. Vous voyez qu'ils ne sont pas sérieux. Quand je dis qu'ils ne sont pas sérieux, les gens ne comprennent pas, ils pensent que c'est une insulte. La personne qui n'est pas sérieuse, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne parle pas, qui boude, qui est là, qui le fait. Pour ceux qui ont le dictionnaire, ils peuvent aller vérifier. Ce n'est pas une insulte. Mais je dis qu'ils ne sont pas sérieux. Ils réclament ce qui existe. Tu sais qu'il veut que nous allions aux élections. Effectivement, nous allons aux élections. Tu sais que tu veux la sécurité. Nous allons, il y a la sécurité qui est en train d'être créée. Depuis qu'il est entré, c'est la sécurité. Quel problème encore? Voilà. Merci. La vie chère. La vie chère. Mais la vie chère, ce n'est pas seulement ici au Congo, c'est vrai. La vie est chère, mais partout. Mais il y en a qui vivent à Kachobo là-bas, qui viennent avec des avions privés. Mais ils viennent ici, vous disent, nous avons un Zamanakin avec un Lingala, Yakobamba. Mais vous avez vu comment la population congolaise, quinoise, s'est attaquée, s'est offusquée. Docteur, toi, tu n'as jamais été ici. Tu n'as jamais été au Kassai. Que ce soit tous les trois Kassai. Tu n'as jamais. Mais comment tu arrives ici? Mais toi, tu es allé accuser la population congolaise, les autorités congolaises, chez tes oncles là-bas, les juifs. Tu es allé dire, moi je suis, vous avez vu ce que j'ai fait avec un Anglais, on dirait Yakobambalissus. Voilà ce que je veux dans ce pays-là. Ils ne veulent pas que je devienne président de ce pays. Ah, mais il y a aussi le mot comme président. Voilà. Merci beaucoup, Dr. John. Nous allons passer. Je ne sais pas si le soir est bon. Nous allons passer à la dernière thématique qui est la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Ça fait couler encre et salive, surtout dans la partie est. Nous avons tous décrié la présence de force de l'EAC, cette force régionale, qui avait une mission offensive, mais aujourd'hui, les résultats ne suivent pas. Nous avons suivi les déclarations du président de la République quand il était à Windhoek. Il a dit clairement que jusqu'à échéance de leur mandat, si les résultats ne suivent pas, la RDC va résilier ses contrats. Est-ce une façon pour le président de la République de taper du poing sur la table pour montrer son indignation par rapport à cette organisation auquel il avait fait foi et qui n'a pas apporté des résultats, ou une façon pour nous aussi de nous décider d'office de quitter cette organisation qui est l'EAC. Alain Goma, avant d'aborder ces sujets-là, permettez que je termine quelques arriérés. Sans problème. Parce que vous avez parlé de l'insécurité. Ah oui. On a vu dans la période de Kabylie, il y a eu, ce doit être le 31 janvier jusqu'au 7 février 2007, vous avez vu qu'il y a eu massacre de nos amis de Bundu Congo. Oui. Ils ont été tués gratuitement. On a dit que parce qu'ils avaient des armes blanches. Mais vous avez vu au Katanga, quand Moïse Katumbi était gouverneur,
On a vu des femmes éventrées. On a vu des hommes tués par Gédéon Kyung. Nous parlons de la sécurité, non? Mais comment expliquer que ce monsieur-là n'a pas pu maîtriser Gédéon Kyung? Il a laissé Gédéon Kyung venir se rendre en portant le polo de Chikata avec la, l'effigie de Kabila. Et ce monsieur est jusqu'à aujourd'hui condamné par le tribunal international. Il est sous les sanctions. Et le monsieur qui vient réclamer ici qu'on doit avoir la sécurité. Mais quand il était dans les postes d'attache, il n'a jamais fait quelque chose pour maîtriser tout ça. Deuxième problème. Oui. J'ai suivi M. Kamitat sur la, une des chaînes concurrentes de la place, celui qui est devenu porteur de mallettes. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? On lui pose la question simple. Parce qu'il a critiqué, il a vu cher, ainsi de suite. Vous savez qu'est-ce que le monsieur dit? Non, le problème qui est là, on lui dit qu'est-ce que vous proposez? Parce qu'il y a l'inflation par rapport à la couverture sanitaire universelle que le chef de l'État a dû installer, dont j'avais participé activement à l'élaboration. Vous savez ce que le monsieur nous dit? Il dit, bon, voilà, nous n'avons rien à proposer pour le moment. Donc nous attendons, après la manifestation, nous allons proposer. Voilà le genre de politakaï, on peut le dire, qu'ils peuvent proposer des choses comme ça. Tu n'as pas de proposition, vous voulez manifester pour provoquer la police, pour qu'il y ait... Mais je demande, parce que quand ils vont manifester normalement, c'est pas... Nous, nous connaissons l'odeur de la, du gaz. Il y a du gaz blanche, il y a du gaz mauve, rouge, etc. Nous, nous connaissons ça. Mais ils n'ont jamais connu ça. Ils étaient dans l'opulence, etc. Ils n'ont jamais connu ça. Alors, ces gens ne sont pas sérieux. Parce qu'ils ne savent pas proposer quelque chose, parce que c'est monsieur qui parle. Le chef de l'État parlait de... il s'est offusqué de voir que... L'EAC, apparemment, ne nous accompagne pas, cette force régionale. L'EAC, ça fait plus d'une année que nous y avons... adhérer. L'EAC avait comme objectif, mandat, de mettre la paix, d'être déployé. Oui. Nous félicitons le président Ruto qui avait permis, qui avait écouté directement la demande de la, cette force de l'East African Community qui a l'objectif de, sur le plan économique, stabilisation de l'économie, des pays membres, ainsi de suite, la sécurité, ainsi de suite, ils sont venus. Il y a eu l'évaluation au mois de janvier. Quand on a nommé M. Jean-Pierre Bemba en tant que ministre de la Défense nationale et vice-premier ministre de la Défense nationale, il a convoqué une réunion de tous les ministres de l'EAC. Mais ils ne sont pas venus parce que leurs agendas ne corroboraient pas par rapport à la date. La réunion doit avoir lieu. Mais ce que le chef de l'État dit, rappelez-vous que le chef de l'État est en train de condamner le général, les commandants, qui est chargé de maintenir la sécurité de l'autre côté, oui. Que de ne pas chercher à favoriser un camp par rapport à l'autre. Parlant du commandant, il y a un commandant qui a démissionné, il est parti, et il y a un autre qui est venu, mais les causes du départ de la première personne, c'est vrai, du premier commandant, c'est vrai que les causes ne sont pas très clairement connues. Est-ce que ce n'est pas aussi que c'est je dirais quoi, cette organisation nous trahit ou nous attaque par les dos? Ça, c'est la deuxième question que je vais répondre, mais laissez-moi d'abord évoluer. Oui, alors, ils sont arrivés, on a vu qu'ils avaient une feuille de route, oui. C'était pour sécuriser, ils avaient un mandat offensif. Rappelez-vous que le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, il est actuellement président de la SADC. Oui. SADC, c'est aussi force de l'Afrique australe, qui a comme mission de la sécurité aussi, de l'économie, ainsi de suite, qui regorge plus de 16 pays, alors que l'EAC, c'est juste 7 ou 6 pays. Vous comprenez un peu la différence? Alors, le chef de l'État s'est offusqué pour voir que on devait faire l'évaluation de ce qui s'est passé là-bas. Les informations, l'homme le plus informé de la République, il s'est dit qu'il a vu qu'il y a une acquaintance entre les forces qui sont arrivées sur place avec les rebelles, surtout le M. Ce n'est pas les rebelles, les terroristes qui sont là-bas. Ce sont des terroristes, parce que vous avez entendu le M23 dirigé par Kagame, qui lui-même a pleuré dans la langue maternelle, le Mulokomboka, par rapport à la diplomatie agissante depuis plus de 22 ans que la Kabylie occupe ce pays. Le monsieur ne s'est jamais inquiété de toute façon. Il fallait que l'avènement de Félix, le fils du pays, le vrai nationaliste, pour que ce monsieur pleure. Disent que le problème, ce n'est même pas l'M23. Il est en train de soudonner l'M23. Il dit non, le problème, ce n'est même pas M23. Le problème ici, c'est juste
Parce que nous, nous avons des terres à récupérer au Congo. Quand vous avez les terres à récupérer au Congo, donc tout ce temps, vous mentez aux gens que vous veniez parce qu'il y avait des Batouti, il y avait de tout ça qui s'est trouvé chez nous. Alors, ça, c'était quelque chose de très important. Oui. Une petite parenthèse, je la ferme vite. Comment l'opposition qui va manifester ne fait pas la déclaration pour condamner, soutenir le gouvernement, soutenir le peuple congolais? Vous, moi et les autres qui nous suivent là, parce que Kagame veut récupérer notre terre. Personne n'a parlé. Non, mais Martin Fayoul avait fait une déclaration. J'ai dit, il a fait une déclaration, c'est devenu plus tard, c'est une dièse. Mais tous les autres là, que ce soit Katumbi, que ce soit Muyambo, que ce soit tous les autres là, personne n'a condamné l'agression verbale que Katumbi, parce que Kagame, parce qu'ils sont de mèche avec eux. Est-ce que les Congolais comprennent ou bien ne comprennent pas? Martin Fayoul l'a fait à demi-mot. Mais il a fait il peut-être a une fait. Semaine après. Il a, bon, quand, il même a quand même fait. Ah ouais. Mais les autres n'ont pas fait. Mais ils pouvaient faire la manifestation pour ça. C'est pourquoi j'encourage ceux qui vont manifester aussi le 20, les forces de femmes de l'UDPS qui vont manifester pour soutenir le gouvernement de la République. Il y a aussi les annonces du 25, je crois. Oui, dénoncer ce que M. Kagame a fait, parce qu'on peut aller aux élections, mais quand on n'a pas un pays, vous allez aux élections dans quel pays? Les autres, ils ont 5 pays. Hein. L'autre, il est juif, portugais, et ainsi de suite. Ça, c'est l'autre. Les autres vont aller dans d'autres pays. Alors, pour revenir à ce que nous disons, oui. Le chef de l'État leur a donné 2 mois, c'est-à-dire jusqu'à fin juin. Fin juin. Cette force doit quitter la République parce que nous avons une solution de réchange. Voilà un vrai politicien. C'est quelqu'un qui anticipe parce que les autres n'ont pas pu remplir leur mission comme il fallait. Il fallait maintenant que les forces offensives de l'ESC puissent, de la SADC, puissent venir ici. Et ils sont en train de se préparer à venir. Ce n'est pas un jeu. Donc là, les autres vont partir, les autres rentrent. Parce que les autres échoué dans leur mission. Alors quand vous me parlez de ce commandant qui a démissionné. Oui, qui démissionne. Mais avant de démissionner, il a fait la déclaration qu'il est capable de mourir pour la RDC. Ça, vous avez compris? Il a dit, moi, je peux mourir pour la RDC parce que c'est senti un vrai Congolais. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais parce qu'il est parti, parce qu'il s'est senti peut-être incompétent quelque part, et qu'il part, mais il y a l'autre qui est en train de venir. Mais vous devez savoir qu'il y a un commandement qui est, je pense, tripartite. Il y a un commandement de celui-là, il y a le général Chiwewe qui le suit, il y a, je pense, un autre général qui sont dans ces directoires, dans les postes de commandement. Si un part, l'autre reste comme maintenant, comme lui il est parti. Mais les autres sont sous le commandement du général Chiwewe. Vous comprenez? Alors ce n'est pas dramatique qu'ils partent. Ils pouvaient mourir au combat, mais cela ne veut pas dire que l'armée va mourir parce que le chef est parti. Donc l'armée, c'est la seule organisation qui est mieux organisée de plus que dans la politique. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous arrive? Nous avons maintenant les forces des SADC qui vont arriver ici. Où le chef de l'État est le président. Parce qu'il y en a qui vous disent, il voyage beaucoup, mais j'ai dit que le chef de l'État va encore beaucoup voyager. La présidence de la SADC, c'est la RDC. Ça, c'est la RDC. C'est la RDC. Alors, il était à Windhoek, en Namibie. Là où il a inauguré même le nouveau siège. Où là, il a parlé avec ses homologues qui ont été directement prêts, qui attendaient que ça pour pouvoir se déployer ici au Congo. Est-ce que ce n'est pas une réussite sur le plan diplomatique? Si vous suivez Lutundula, qui vous a dit que non, voilà, nous avons tous les atouts. Les forces de l'ESC vont partir, ce n'est pas dramatique parce qu'ils étaient venus comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait de problème. Depuis que le chef de l'État a décidé qu'ils puissent rentrer, c'est vrai qu'ils étaient venus dans une mission temporaire de 6 mois. Et les 6 mois, ça sera au mois de juin. Ils vont partir. Et c'est ce qui avait été signé. Ils ne vont pas faire de déclaration. Vous n'avez pas entendu un son de cloche contraire par rapport à tout ça. Alors, pour ce qui nous concerne, nous sommes d'accord. Le problème, c'est la sécurité. Et les chefs ne ménagent aucun effort pour mettre la sécurité. C'est qu'ils sont en train de demander. Nous sommes pratiquement à la fin. La dernière question. Ne craignez-vous pas toutes ces armées qui viennent et qui vont repartir à ce que nous puissions retomber dans cette logique dont nous parlions toujours, nous pleurnissons toujours, infiltration, infiltration. C'est vrai, l'EAC, les forces de l'EAC vont partir, les forces de la SADC viendront. Ne craignez-vous pas que nous puissions continuer à vivre cette infiltration et puis continuer à affaiblir notre armée? Parce qu'à chaque fois, nous devons toujours faire appel
à des forces régionales pour venir nous prêter main forte. Je pense que c'est la dernière question. Et quand vous répondez, vous mettez aussi, vous posez directement votre mot de la fin. Ok, merci. Vous devez savoir que quand vous voulez la paix, vous devez aussi préparer la guerre. Vous avez vu Jean-Pierre Bemba aller en Asie, oui, en Jakarta précisément, pour aller s'enquérir de la situation dans sa mission de ministre, vice-premier ministre, ministre de la Défense, qui a l'obligation d'organiser les troupes, qui a l'obligation de faire des propositions, acheter le matériel de l'armée, ainsi de suite. Et il n'était pas seul, il était accompagné avec quelques officiers militaires. Nous préparons la guerre. C'est vrai que par rapport à la diplomatie, parce que les gens vous disent qu'il y a l'insécurité, oui, nous avons veillé, nous avons lutté pour qu'on enlève le régime de notification, l'embargo qui était, ça c'est un grand départ pour la RDC. Aujourd'hui, nous pouvons acheter les armes parce qu'on ne pouvait pas aller attaquer ce petit Rwanda qui n'a même pas une grandeur de Kisenso, l'annexer ici, parce que nous allons l'annexer, ça, votre information, s'il continue sur cette allure-là. Il fallait acheter les armes. Il y a des informations sur le plan stratégique et sécuritaire que je ne peux pas diffuser ici. Mais je vous dis que nous sommes en train de nous préparer. Quand les forces arrivent, la RDC est signataire de beaucoup de contentieux avec d'autres pays, oui, des contrats avec beaucoup de pays, les secrétariats nationaux des Nations Unies, beaucoup de des organisations internationales. Je ne crois pas que quand les autres viennent pour nous aider, ils sont en contradiction avec notre constitution parce que l'Assemblée nationale n'a jamais dit le contraire. Le chef de l'État n'est pas un dictateur et ne faites pas de lui dictateur, l'avait dit. Alors pour ce faire, nous attendons que la RDC puisse se mettre debout. Nous nous préparons d'une manière ou d'une autre et toutes ces forces-là ne resteront pas ici toute la vie. Le mot de la fin, c'est d'abord saluer cette grande chaîne. Merci. Les géniteurs maîtres qui s'occupent d'une grande fondation Malouas et tous les personnels de cette grande chaîne. Et je ne peux que vous dire merci de nous avoir reçus et souhaiter bonne chance à cette chaîne et surtout à son géniteur, le maître. Merci beaucoup. Ça nous va droit au cœur, docteur John. Je pense que c'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois parce que nous avons, en dehors de grandes analyses, il y a une émission face à la rédaction, il y a une autre émission FM exclusivité, donc je pense que vous serez toujours le bienvenu, surtout que l'actualité en République démocratique du Congo, c'est chaque jour que nous nous réveillons avec de nouveaux sujets et nous avons toujours besoin de vous, politiciens, afin que nous puissions continuer à débattre et apporter un plus, parce que nous, c'est notre façon de contribuer pour la République. Nous ne sommes pas des décideurs, mais du moins, nous essayons de mettre des points de vue qui peuvent aussi apporter un plus à la République démocratique du Congo. Je me suis assis à la maison. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Donc, je pense que c'est par ce mot de Dr. John que nous mettons un point final à cette émission. Vous qui voulez participer à cette grande émission qui est Grande Analyse, contactez-nous. Vous qui avez nos contacts personnels, vous pouvez nous écrire. Sur le bas de vos écrans, il y a le numéro de la chaîne, vous pouvez aussi demander à ce que vous puissiez venir intervenir. Merci beaucoup à la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Je ne saurais pas citer le nom de tout le monde, mais surtout, vous qui allez nous suivre via YouTube, continuez toujours à vous abonner sur notre chaîne YouTube Fondation Malouas Télévision. Bye bye, on se retrouve pour un prochain numéro.